J'ai animé pendant plusieurs années, jusque ces années dernières, même jusqu'à aujourd'hui, les cafés philo McDo, depuis 2017-18, et on peut parler de brainstorming, hein. C'est-à-dire d'un lieu où on dit, voilà, il y a un sujet, on va réfléchir ensemble. On va essayer de trouver la meilleure formule, on va essayer d'éviter un certain nombre de pièges que la société nous offre, si on peut dire. Et cette phase des cafés philo a été pour moi une phase solsticiale. J'ai vécu sous le mode de la solsticialité, d'ailleurs Saturne était en phase solsticiale. Ça veut dire que j'étais plus dans l'astrologie. L'astrologie n'étant qu'un outil parmi d'autres pour moi. Et là, c'était ma personne. Je parlais de différents sujets. J'étais dans un groupe de gens qui n'étaient pas des astrologues, qui n'étaient pas non plus des juifs. Et un groupe qui s'était constitué, que j'avais intégré et que j'avais supervisé, si on peut dire. Et donc, si vous regardez la série, il y a au moins une cinquantaine de vidéos, souvent de plus d'une heure, eh bien, vous verrez qu'on parle de toutes sortes de sujets et que c'est toujours moi qui suis le meneur de jeu. Et la phase solsticiale, comme j'en ai parlé l'autre jour à propos d'Oppenheimer et d'autres, ça, c'est là où on existe par sa personnalité, par son charisme, et non pas par un telle et telle méthode, par un tel et tel outil.